Parmi tous les amiraux de One Piece, il en reste 3 que j'ai pas encore fait. Kizaru, Garp et Sengoku. Aujourd'hui, vous l'aurez deviné, on va faire Garp. Et oui, mais comment tu vas faire Garp? On va devoir aller chercher sa Sharingan en naviguant en mer. Ensuite, on va devoir masteriser le Gojuman, oui, son style de combat. L'étape qui pique un peu, une fois que j'aurai masterisé la Sharingan, je vais devoir l'améliorer, l'enchanter. Vous dites, mais pourquoi la Sharingan? Parce que Garp y jette des boulets de canon. Et la Sharingan, on la jette comme un boulet de canon. Je me suis creusé la tête, attention. Ok, nous voici sur le wiki. Donc déjà, pour avoir la Sword, elle peut être dropée en le Terror Shark qui a une anchor attachée. Ah! Donc le Terror Shark avec la anchor, il peut que spawn manger le magnet. Et le magnet que je peux craft au Shark Hunter. Donc normalement le magnet là, eh ben, je peux l'obtenir à Tiki Outpost. Voilà. Wesh. Wesh, il était grave posé. Ça mettait des petites OST Berserk et tout là. Wesh, il est grave chill ce mec. C'est pas possible. Wesh, oh non, c'est pas fait exprès. Je vous jure, c'est... j'ai pas fait exprès. Pourquoi il écrit Guts dans le chat? Bref. Je pense que ça doit être dans ce bâtiment. Ouais, voilà. Ok, ça doit être là, je pense. Shark Hunter, Craft. You lock the mastery to create this item comeback once you crafted the first two items. Si je clique sur le Monster Magnet. Donc il faut avoir craft le Shark Took Necklace et le Terror Joe. Took Necklace et Terror Joe. Est-ce que je peux le craft déjà? Non. Wesh, il manque qu'un seul truc pour le craft là? Ça s'appelle comment ça? Des Shark Toots. Ok. Et pour le deuxième truc, il me faut quoi? Ah ouais. Waouh. Bon, en vrai, ça devrait aller vite. Bon, ouais, juste aller farm ça. Attendez, mais là, je viens de réaliser, mais je peux pas aller farm ça seulement avec le Gojuman là. Il me faut un truc là pour farm là. On va manger magma. Oh bah, y'a le Terror Shark! En plus, il y a des requins. Ah, c'est parfait, c'est ce qu'il nous faut en plus. Ah, par contre, j'ai pas shark, hein. C'est bien que je reste sur le bateau. Oh là là, non, faut vraiment shark, hein. Oh, faut vraiment shark comme race. Non, je vais mourir. Je vais mourir. Wesh. Ouais, donc là, faut vraiment soit être Bouddha, soit être shark, en gros. Bon, en fait, c'est bon, pas de panique. Ok. Newton Toot. Ok, ouais, c'est ça. Ok, normalement, avec les matériaux, je peux déjà craft le premier truc. Voilà. Toot Necklace. Il y a un phénomène bizarre depuis que j'ai pris le collier. Je sais pas pourquoi. Wesh, ma main va tout de suite à droite. Marine. Wesh. Je suis devenu Garp. Eh oui, Garp l'ancien. Bah ouais, je suis encore Garp le noob. Et ça va s'améliorer, croyez-moi. Pour bien correspondre avec Garp, il faut que je mange le fruit du tremblement. Il faut que je sois à Shark aussi. Parce que Garp, vas-y les gars, il est résistant. Ouais, je vais pas le mettre humain. Et bien sûr, le canon. Bah ouais, vous avez oublié ou quoi? Après, on changera ça par la Shark Anchor, bien sûr. Ok, déjà, changeons la couleur de Haki avant de changer de fruit et de changer de race. On va la mettre en blanc, franchement. En blanc, je pense que Garp, c'est l'utilisateur d'Haki de l'armement le plus fort, non? Oh, les fragments des Sibis! J'avais oublié, je me disais, mais il faut que je paye mon rest reroll. Trade. Vas-y, humain. Vas-y, on abandonne Shark. Allez, c'est bon, j'ai pas envie de dépasser vraiment. Mais je vais mourir, les gars, en mer avec Quake. C'est ça le problème. Vas-y, vous voulez du challenge? Bah, ok. Du coup, Quake, let's go, unstore. Ok. Le Quake. Le style de combat de Garp. Je suis ok, vite fait. Bien sûr, mais allez voir ma vidéo Barbe Blanche quand même. Hein. Hop, du coup, bao. Voilà, premier move, 3600. Crusher, regardez ça. Galaxy Impact, ça, je crois que c'est. Non, pas du tout. Et celui-là, je crois, le Galaxy. Non, en fait, il n'y a pas de Galaxy Impact. Voilà, il est tellement puissant, voilà. Voilà, en fait, tous les moves, c'est le Galaxy Impact. Cherchez pas. Showcase étant réalisé assez rapidement. Le dernier move aussi, ouais. Wow. On verra sur place. On n'a pas le temps. Regardez-moi le monde dans le serveur qui attend, là. Le monde en marine, en plus. Oh, ils se respectaient pour Garp. Ok. Là, ça peut vraiment commencer, là. Alors, c'était l'échauffement. C'est bon, tout le monde est là? Nous, tout ce qui nous importe, c'est le Terror Shark. Hein. C'est bon, Terror Shark, enfin. Non, mais allez, Garp est mort. J'aurais dû prendre le Shark, les gars, je vais mourir. Bah, je vais mourir, les frères, je vais mourir. Bon, force à moi. Maintenant, vous comprenez pourquoi Shark. Bon, moi, j'ai eu Shark, je me suis un petit peu ruiné. On n'a plus de fragments, on a perdu nos 30 000 fragments. Là, j'ai fait un serveur avec full JK, normalement. On se TP direct, là, on a le Terror Shark. 2000 years later. Les gars, c'est pas une blague, il y a un Terror Shark. C'est pas une blague, il y a zéro blague. Allez, Garp. Mais pourquoi non? Mon gars, ça fait 40 ans, les gars. Ça fait 2 heures, on le cherche. Nice. Un petit truc au corps à corps, comme ça. Faire vraiment attention, hein. Ok. Oh, j'ai pas eu les yeux par contre. Ça s'annonce galère de fou. Genre là, j'ai eu le truc vert là. Oh, let's go, j'en ai eu un. Enfin, allez. Un petit peu d'espoir. Allez, c'est parti. Oula. Il fait aussi mal. Et c'est pas normal. Hein. Ok. Oh, let's go, encore un. Allez, il m'en manque plus que un. Encore un? Mais non. Deux d'affilée. Bon, y a plus de bateau, mais y a du Terror Shark, donc on mange. Ouais. Non, on mange plus. J'ai plus de vie. Mais non. Là, j'ai plus qu'à prier qu'il y ait un truc qui s'affiche en haut et qui me dit que j'ai les yeux et j'aurai enfin fini.
Let's go. Ok, on va aller chercher. Du coup, normalement, je peux craft le magnet. Ah ouais, d'abord, j'ai ça à craft normalement. Voilà, la Terror Joe. J'ai assez, j'ai tout ici. Voilà, craft. Et on va l'équiper même. Et du coup, Shark Hunter. Voilà, Monster Magnet. Et c'est bon. Bon, par contre, là, faut vraiment pas que je meure. Parce qu'il me semble que si je meurs face à un Terror Shark, je la perds. Et je vais devoir tout refaire. Et vu le temps que ça m'a pris pour tout faire, doucement quand même. Ok, Terror Shark. Ah, non, faut pas que je meure là, par contre, là, c'est tout sérieux, là. Tac. On va le charger. Ok. Ça va, on se prend pas trop de dégâts pour l'instant. Normalement, ça devrait être bon. En plus, il y a un 6 beast. Ok, Terror. Oh non, on l'a pas eu. Bon, prochain Terror Shark. Oh, Monster Magnet, il a réagi. Let's go. Wesh, tout ça. Allez. Oula, let's go. Shark Encore, let's go. C'est débloqué Shark Encore. Regardez-moi ce flow. La gare, comme il a évolué. Déjà, on va retirer le fruit du mammouth. On va sur le portal et on va voir qu'est-ce qu'il faut pour l'améliorer. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour... Ok, il faut des... Ah ouais. Ok, queue de poisson et Mystic Droplet. Ok, ça va. Le vrai Garp, là, il veut sortir. Il va enlever le masque. Et voilà, mon gars, la puissance qui va sortir. Et du coup, normalement, pour avoir les Fish Tails, bah, j'imagine que c'est ceux-là. C'est les seuls Fishman qu'il y a ici. Combien... Oh, ça fait des petits témoins en mode... Oh. Et toujours pas de fishtail malheureusement. Oh, ok. Bon, toujours pas de fishtail, mais on a débloqué le premier skill. Typhoon. C'est parti, Typhoon Dos. Ok, je l'attrape comme ça. Clac. Damage. Et 5000. En plus, du coup, ouais, c'est carré. Ça se charge grave vite. Non, l'arme est surtutée. Non, c'est trop beau. Allez, on retourne à notre farm là. Ok, enfin, une fishtail. Oh, wesh, c'est une dinguerie quand même. On a pris du temps à en drop une. Ok, deuxième. Ok. Let's go. La dernière fishtail. C'est bon, on va pouvoir enfin améliorer l'arme. Eh ben non, parce qu'il nous faut les mystiques. Allez, speedrun encore. Nos mystiques droplets sont juste ici. C'est ces mobs juste là. Allez, c'est parti. Et cinquième. Oh, let's go, ça allait vite en vrai. Maintenant, il ne reste plus que deux étapes hein, pour enchanter la Shark Anchor et de masteriser le Gojima Mastery 600, donc max, pour devenir vraiment gars et débloquer le dernier move de la Shark Anchor. Et je vous propose qu'on fasse ça en un clap. Ah, c'est bon, nouveau titre. Fist of the Death. Garp, il a dû subir des mutations, hein, mais c'est bon, on va revenir à l'original. Enfin, Mastery 600. Ah oui, aussi, j'ai débloqué le move de la Shark Anchor. Du coup, Armor Breaker, le dernier. Regardez ça. Slash, ça va en avant et bam, ça le cale par terre et il part nulle part. C'est-à-dire qu'on peut le recombo après 5000 de dégâts. Attendez, je vais le refaire. Donc clac, ça va assez loin, bao, et le mec il reste au sol. C'est-à-dire qu'on peut le recombo après. Hyper cheaté, on est d'accord. Et du coup maintenant, le showcase des dégâts du Gun Human. Mastery maximale, hein. Attention, premier move. Ok, 4814. Ok, je m'attendais à plus, mais bon. Le X non chargé, 4300. Le X chargé, 6121. Et pour finir, je pense que c'est le truc que tout le monde attend, le Rokugan. Chargé au maximum. Oh non, on n'a pas les 6000. Non, je pensais que j'allais avoir les 6000, mais bon, c'est pas grave, ok. 5922, presque les 6000 de dégâts, c'est dingue. Bon bah voilà, c'est carré. Maintenant, go enchanter la Shark Anchor. J'espère que j'ai un blessing. Allez, vous savez quoi, j'espère que j'ai burning sur la Anchor. Si sickness, oh, même un cursed. Allez. Ah, j'ai oublié de l'améliorer. Mais j'ai complètement. Bien sûr, l'amélioration. Faut pas l'oublier. J'ai pas farm tous les matériaux pour rien. Ok, voilà, là c'est bon. Likez, hein, les frères, vraiment likez. Hein. Likez, explosez le bouton. Likez avec votre nez, votre pouce, votre doigt de pied, votre... Vas-y, tout. Je suis mute. Mais pourquoi je suis mute depuis tout à l'heure? Mais j'en ai pas. Je suis mute depuis quand? Mes frères, mais c'est quoi ce micro de Colmont? Dès que je viens d'avoir au deuxième parchemin, c'est pas burning, mais quand même, c'est frozen. Du coup, j'ai eu agile, réduit mes cooldowns de 9%. Ok, deadly. J'ajoute les dégâts de 4%. Efficient, increase XP front NPC by 30%. Fortune, increase money drop, ça on s'en fout. Vampirique et 4%. Et sharpshooter, c'est quoi ça? Ah ouais! Oh, ça fait stylé avec Garf. Combien je fais maintenant? Oh, wesh, il est grave ralenti. Wesh, comment il était ralenti de fou. Du coup, les M1, 3264 maintenant. Le Shark Typhon, hop, clac. 7000 de dégâts, les frères, 7000 de dégâts. Et du coup, le Typhon, 5700 et il devient grave lent, le mec. Let's go. Incroyable. Alors, est-ce que ce mec joue? Oui, il joue. Et oui. Ok, clac. Et ok, il est bien gelé. Ok. Ok, yes, premier kill. Bon, faut que je remonte aux 4 millions en fait. On peut pas se contenter d'un kill, c'est pas possible. Ok, on a une cible là-bas, un Bouddha. On va directement venir l'agresser. Ok, yes, tu peux pas esquiver ça, mon gars. Oh non, mais c'est un NPC. Oh, il est bien gelé du coup, oui, j'avais oublié. Ah ouais, mais ça me permet de bien caler les moves en fait. Mais je peux carrément le M1 quasiment. Ah, allez, 4 millions. Let's go. Eh, je peux pas, je suis addict là. Wesh, Garp, il porte des Bouddhas. Reviens. Clac.
Ah, j'ai pas compris. Là. Ok, bah vas-y, reset-toi, frère. Vas-y, va dormir. Bon, bah voilà, les gars, sur ce, on sera devenu garde. On aura obtenu la Sharing Core. On aura masteré 600 logos d'humains. On aura eu même le Snow Blessing, si c'est pas magnifique ça. Bah, je vous dis, abonnez-vous, likez. Dites-moi d'autres persos à faire en commentaire. Et regardez cette vidéo si vous l'avez pas vue.